la Guinée en étant juste et équitable pour tous les citoyens. Ce qui arrive aux uns et aux autres doit être l'affaire de tous. Tout parent ayant des enfants doit se sentir concerné. Nos libertés bafouées, notre dignité piétinée, sans aucune justice rendue, nous en avons tout simplement marre. Il est temps que chaque Guinéen se réveille, s'inquiète du sort de son prochain, car cette injustice peut taper à la porte de tout un chacun. Nous rappelons que pendant la campagne électorale, des militants de l'UFDG ont été arbitrairement arrêtés par les forces de l'ordre et détenus dans des conditions atroces, tandis que des militants du parti au pouvoir n'ont pas été inquiétés malgré les abus et dégâts qu'ils ont causés. Alors, puisqu'aucune mère ne peut dormir sachant son enfant en prison, l'UFDG ne saurait le faire non plus. Puisqu'aucune mère ne peut rester les bras croisés et laisser son enfant mourir en prison, l'UFDG ne peut le faire non plus. Puisqu'aucune femme ne peut rester en paix sachant son mari en prison, l'UFDG ne saurait le faire non plus. Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des militants de l'opposition arbitrairement détenus. Il ne doit pas y avoir une justice à deux vitesses. Elle doit être la même pour tous les citoyens. Désormais, nous ne négocierons plus nos droits, mais nous les arracherons. Vive la liberté, vive la justice et vive la démocratie. Merci. Moi, c'est Khadija Toussane et je suis l'assistante de Madame Dalé. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît.